C'est seulement en Guinée ça se fait. Ouais. Des Chinois prisonniers, on nous envoie pour venir sur les Guinéens. Ça ne peut plus continuer. Okay. Ou ils respectent les lois du pays, ou ils foutent le camp. Nous allons aller les écouter. D'accord. Si l'autorité n'a pas de solution, ouais, nous ne laisserons pas cette occasion la passer. Ouais. Nous nous prenons 10 de lui. Allez, voilà, si nous karaté, jusqu'au dernier, ils vont foutre le camp d'ici. Tout de suite, on prend. Mais on a dit, on respecte la loi. Merci. Nous allons aller écouter l'autorité. Si l'autorité n'a pas de solution, ceux-là, tous ceux-là que j'ai vus avec les gouverneurs, ne dormiront pas en Guinée aujourd'hui. Pour nous arrêtons tout le travail à Boufa jusqu'à ce que tous ceux qui portent le bouquet là quittent ici. Nous respectons beaucoup l'autorité, mais on ne veut pas des gens qui viennent ici pour prendre le bois contre les Guinéens. Ouais. Vraiment. Notre indépendance, on ne peut l'avoir que dans notre pays. Nous respectons beaucoup les étrangers. Qu'est-ce que vous avez fait pour comprendre les poubelles? Lui, c'est sa force là qui va vous arrêter. Non. C'est son bois là qui va vous arrêter. Non. Si on disait aux travailleurs, c'est aller chercher les bois. Ouais. Allez chercher les bois et venez aussi avec les bois. Venez les attaquer avec les bois. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est la mort. C'est seulement en Guinée que ça peut se passer. Tous les travailleurs, pardon, laissez-nous faire notre travail. Allez là-bas. Merci. 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 Merci.